Salut à tous, c'est PJ de Body Time. Aujourd'hui, une vidéo spéciale astuce où on aimerait vous donner nos 5 astuces pour moins manger, mieux manger. La première astuce, c'est est-ce que j'ai vraiment faim? Posez-vous cette question. Si vous avez eu un repas il y a moins de 2 heures, c'est probablement juste une pulsion que vous n'avez pas réellement faim, vous n'avez pas réellement besoin de manger. Donc dans ce cas-là, si vous avez l'impression que c'est plus une pulsion, essayez de vous détendre. Prenez une respiration calme, bien expirez, bien soufflez. Vous pouvez fermer les yeux, c'est de vraiment sentir. Ce que vous avez besoin, c'est peut-être du repos ou tout simplement vous avez besoin de vous dépenser, vous pouvez faire une autre activité. Vous pouvez par exemple faire du sport, une vidéo body time, ce sera bien plus efficace. Deuxième astuce, gardez votre objectif en tête. Est-ce que ce que vous allez manger, ça va vous aider à atteindre votre objectif? Si votre objectif c'est de perdre du gras ou de prendre du muscle par exemple, est-ce que de manger une barre très sucrée, très salée, très gras ou de boire une boisson très sucrée, ça va vraiment vous aider à obtenir votre objectif? Je crois pas. Donc vraiment, gardez votre objectif en tête et ça vous aidera d'éviter de craquer, notamment sur les choses toujours les plus mauvaises. Troisième astuce, prenez en photo ce que vous mangez. Par exemple, sur une journée, sur une semaine, en tout cas, prenez vraiment conscience de tout ce que vous mangez. C'est prouvé que plus on a conscience réellement des aliments qu'on va manger, plus vous allez voir que vous allez réguler un petit peu parce que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc prenez en photo sur une journée, vous allez voir que vous faites quand même pas mal d'écart et petit à petit, vous pourrez reculer votre alimentation. Quatrième astuce, pensez à manger doucement. Vous savez qu'il faut 20 minutes pour avoir l'effet de satiété, donc prenez le temps de manger doucement, restez concentré sur votre repas, ne regardez pas la télé, ne faites pas d'autres activités à côté. Cinquième astuce, dans la même continuité, pensez à faire plusieurs repas dans la journée. 5 à 6 repas sont mieux que 3 plus importants. Vous allez moins stocker les calories et avoir moins de périodes à jeûner. Donc 5 à 6 repas équilibrés tout au long de la journée. Et voilà, c'est donc nos 5 astuces pour moins manger, mieux manger. Retrouvez-nous sur YouTube et tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec toutes nos astuces et nos vidéos d'entraînement spécifiques pour les hommes et pour les femmes. On se dit donc à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche !